Bon, nous voilà repartis pour cette suite de l'épreuve Talon, partie numéro 12 apparemment. Donc là, on était parti pour terminer la quête déguisement, là. Voilà, ici, pour trouver où sont ces ennemis. Je pense que ça doit être par là, effectivement, ça me semble pas idiot. On s'était TP ici et on était parti pour le... Ouais, ça doit être là, à quoi que. Bah non, c'est un bâtiment. Ah merde! Nos espoirs brisés dès le début, là, c'est n'importe quoi. Donc là, ça va être la croix et la manière pour savoir comment atteindre ces unités furtives. Ces unités camouflées. C'est un camouflé. C'est sûr que c'est pas ici, là. Comment je peux aller en haut? Putain, ça fait chier à des ennemis. Attends, ça, là. C'est un truc creusé dans la roche. Ouais, ouais, ça doit être là, hein. Ah, fait chier! Phase agent impérial, c'est pas ici. Mais au moins, on est à un endroit différent. On va pouvoir tester des trucs. Est-ce qu'on connaît cet endroit, là? Corinthe. Ah, mais si, on est revenu ici, je crois, non? Ah, putain, j'aurais dû... Oh, putain, la vache, on est vachement au nord! J'aurais dû en profiter de la coupure pour regarder... Pour regarder... Où est-ce que c'était, ces trous du cul? Comment on y accède? J'y ai pas pensé. Saleté de mécanicien. Putain, j'ai essayé de me foutre ici, hein. Pour qu'il puisse pas me tirer à travers les murs. Ouais, bah ça doit être par là, hein. Ouais, c'est là où on était, avant de stepper là, à la fin de la précédente partie. Je vous avais dit fallait monter ici, là. Bon, comment on y va? Qu'est-ce que c'est? Vaincre les soldats furtifs. On est où, là? Putain, on est vachement au nord! On s'éloigne, hein. C'est pas là où il y a la tourelle? Si, si, c'est ça. Hein. C'est ici qu'on s'était TP la dernière fois. Par là. Est-ce qu'on y avait été par là-bas, là? Je vais vous dire où ils sont. Ils sont par là-bas. Si, si, on y avait été. Il y a de l'eau en dessous. Voilà, eux, là. J'avais speedé. Et j'avais rejoint cet endroit, là. Voilà, la dernière fois, il m'avait pas démount. Salaud. J'avais été ici. Lui, il a pas branché. Ouais, c'est par ce pont, là. C'est sûr que je pouvais pas y aller. Fallait stepper ici. Pour y aller rapidement. Bon, bref. Je vais me foutre ici. On va attendre les ascenseurs comme d'habitude. Voilà, alors fais voir. Tactique, je sais pas c'est quoi ce truc là. C'est une pièce de stuff. Parce que ça m'intrigue, c'est le seul truc qu'on n'a pas. Et ça me dit rien encore une fois. Bon alors, est-ce que c'est par là? Est-ce qu'on avait déjà traversé ce pont? Ça me dit rien, hein. Plateau venteux. Ah non, c'est bon, on n'était jamais venu ici. Bon ben c'est par là. Ça me semble à peu près sûr que c'est là. Hein. Encore cet ennemi là. Donc là, ce qu'il va falloir faire, on les voit pas sur la map, hein, contrairement à ces autres ennemis là. Il faut, faut que je me place à un endroit. Et que j'utilise l'objet, tout simplement. Alors, t'es sûr que c'est là? Ouais, c'est ça, hein. T'as vu, j'ai débloqué la map et tout. Il y a un petit peu de marche, mais on a fini par trouver. On était en train de suer du cul, là, mais... De flipper, de croire qu'on allait tourner encore pendant 20 minutes. Mais c'est bon, c'est ici. Un beau mu. Un espèce d'asticot géant. Ouais, c'est ça, hein. Là, on va arriver au premier point.
Le premier point est très important. Ouais, mais fais chier, il y a ces voraces de merde, là. Faut voir si j'utilise le truc ici, par exemple. Alors, t'as vu, clic droit. Voilà, t'as vu? Ça déclenche un combat. Et ils sont où, là? Hein? Allez, v'là! Ils sont en haut. Prends ça! Voilà, ça rame un petit peu, mais on y arrive. Prends ça, saloperie. T'as vu? Ça les a fait apparaître en haut, hein. Mais c'est ça. Vut, vut. Vous avez pas honte de me prendre à découvert, là? Voilà, 3 sur 9. Y'a un élite, là, non? Pillard. Lui, là. Chef de la résistance balmoréenne sur le terrain. On va le tuer! Ah, mais ce qui fait chier, c'est ces autres ennemis, là, qui vont interférer, s'il faut. Allez, clic droit, je le fais ici. Ça marche pas quand on reste au même endroit. Hein. Lève-la! Faut s'éloigner un petit peu hein, pour. Il a la terreur. La terreur de vivre. Ouais, t'as vu? J'ai reculé pour le toucher comme ça. Allez, ça c'est fait. Encore un groupe. Ils apparaissent par trois, hein, t'as vu? Je m'en doutais un petit peu. Je me demande si j'irai pas un peu plus vers la gauche, là. Au deuxième spot. C'est où le meilleur spot pour XP? Dites-le moi, je veux savoir. Alors. Je vais m'éloigner un petit peu. Attention de pas aggro cet ennemi, là. Ce serait le comble. Je vais utiliser l'appareil pour la dernière fois. Pour la dernière fois, dites-moi ce que je veux savoir. Oh, vous ne trouvez rien ici? Essayez un autre endroit. Ouais, mais ils sont trop... Ils sont trop en paquet, là. Ici, peut-être. Ah, putain, c'est pas possible. Mais il y a trop d'ennemis. J'essaie de me foutre. Oui, c'est clic gauche, hein, sinon. Ah, putain, mais... C'est quoi, ça? Officier de surveillance strict. Eh ben, il n'y a pas de quête avec lui. Mais putain, pas de temps à perdre avec ces conneries, là. T'as eu 5 secondes de recharge. À partir du moment où tu l'as... Maintenant, c'est-à-dire. Où ça a scanné, hein, pas le moment où t'as cliqué dessus. Bon, ça commence à me gonfler, il y a que dalle, ici. Trop d'ennemis. On perd du temps avec ces conneries. Je vais revenir ici, peut-être que le premier spot, il a... On est sous les spots, sous les projecteurs. Il a repop, entre guillemets. Rah, vous avez déjà, t'as vu? Vous avez déjà nettoyé cette zone. Bon, il commence à me gonfler, ces trous du cul. Là, je le sens que je vais aggro les autres si je le fais ici. Quoi? Mais c'est bizarre. Ok. Ici, peut-être. Ça a l'air un peu loin. Est-ce que ça va marcher si on le fait ici? Bien! Bravo! Ça a marché. Je peux pas les target encore. Voilà. C'est bon, ça a marché. Le L4 a de la bouteille niveau MMO, encore une fois. Prends ça. Allez, à nous! Oh, j'ai titubé. C'est de la triche. On n'a pas de pouvoir de force, non, nous. Voilà. Voilà une quête rondement menée. Faut retourner voir Henri Cavill, maintenant. Il est où, déjà? Là, avant-poste de Morinthe. TP. Et c'est parti. Voilà, le retour sera plus rapide que l'aller, comme d'habitude. Ça, on va le faire un petit moment, franchement.
le mount, démount, rappeler vet, etc. Parler, rendre les quêtes. C'est que le début, hein, encore une fois. Plus aucune attaque surprise. Bien. Le capitaine rigole. Oh loup, il veut vous parler. Permettez-moi de vous dire que c'est un grand plaisir de travailler avec vous. Et réussite, je l'aurais imaginé. Ministre Balmora vole. Il va mourir, comme les autres. Je vais le tuer. J'espère. Le colonel Vrin. Sundari. Ok, d'accord, il est où maintenant? Là, il y a deux trucs à faire. Tu vois, je te l'avais dit. Là, on a en même temps ça à faire et en même temps ça, dans deux bâtiments différents, mais sur la même map. Je t'avais dit que ça allait nous... C'est ça, là, déguisement? Ok. Au avant-poste impérial de Sundari. Ah, je peux pas encore le faire, il reste 47 secondes, fais chier. On va être obligé de danser. Voilà, jusqu'à ce que... Vette, tu gâches la vue. Voilà, je parie que vous n'auriez jamais imaginé ça, même dans vos rêves les plus fous. Voir Dark Talon danser. C'est des émotes, hein. Il y en a quelques-unes. Ça, c'est le... Comme sur WoW, hein. Chaque race a sa propre danse, etc. Ça, au moins, ça a permis de le voir. Ah, ça fait chier. T'es sûr qu'il vaut mieux pas faire les autres quêtes Bon, et tant pis. Reste 6 secondes. C'est con, je suis obligé d'enlever le truc et de le remettre pour voir. Il met pas 2, 1, 0. C'est con là, pourquoi il fait pas ça? Alors c'est Sundari, c'est ça? C'est là là? Ok, on y va. Voilà, ça permet de le voir. Hein. Vous dansez avec excitation. C'est la rançon du succès. Le succès nous monte à la tête. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, où est le... Là, là? Bon, tant pis, on va quand même finir ça, hein, tu sais quoi. Ça fera plus d'aller-retour, c'est un petit peu relou, mais bon. T'es sûr que c'est par là? Vite, l'ascenseur est là, bordel de merde, je suis Keblo. Attention, surtout ne pas arriver trop vite. Là, je pourrais sauter, hein. Là, là, au-dessus. De sauter d'en haut et aller ici, en monture, je pense que ça serait passé. Oui, bah d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, non? Hein? Non, c'est par là. Ah, c'est là. Mais c'est pas là où il y a Dark Lacris? Là, là. Voilà le colonel Vrin. Surveillez vos paroles, colonel. Hein? J'ai cliqué sur Vette! Ah mais si, on peut le faire ici! Ça marche! C'est considéré comme une cantina! What the fuck? C'est pour ça qu'il y avait son triangle au-dessus de la tête, là. Mais si! Nogdraven? Pas vraiment. La guerre des gangs, c'est ça, on s'en fiche. On n'étudie pas beaucoup de pirates à l'académie. C'était pas un simple... Oui, j'imagine que c'est vrai. Le pirate! Il n'y a pas plus connu que lui. Han Solo peut aller se rhabiller avec lui. Tu l'admires? Les trois yeux. Il avait simplement un truc que Nog voulait jamais demander. En tout cas, le hasard fait bien les choses. Je suppose que trois yeux est mort, un bon esclave ne pose pas de questions. Est-ce que quelqu'un a survécu à la rencontre? Vous voulez dire... Pour l'instant, ça augmente pas beaucoup la compatibilité. Non. Je sais toujours pas comment Nog a fait entrer ses speeders sur le domaine. Speeders sur le domaine, ils sont apparus tout d'un coup. Avec de la magie. C'était redoutable. Mais c'était pas un vaurien, vous savez. Une sorte de prince pirate. Il a libéré tous les esclaves et leur a laissé... C'est Albator. Alors, tu as rejoint l'équipage des pirates, mais tu avais quoi, 8 ans? Puissance et noblesse, belle combinaison. Ouais, mais est-ce que c'est... Parce que normalement, c'est les trucs négatifs, là, en bas à droite. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ironique? Pour être un meneur et inspirer la peur, il s'était le cas de Nock. J'étais la plus... Froid comme les lézards, Nock m'a appris à voler. C'est bon d'avoir du pouvoir, je suis désolé. Grandis et tourne la page. Désolé, Vette. C'est maintenant tu... Maintenant c'est derrière toi. Maintenant tu vois du sang et des membres tranchés de partout. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? L'illustre. Bon, au moins on a gagné une fois des influences, c'est pas énorme, mais bon. Ok, bah d'accord.
Je le savais pas. Le premier à vous dire combien votre travail a été apprécié. Vous n'êtes pas le premier. La résistance balmoréenne, soutenue par le gouvernement en exil, rend son dernier souffle. Dernier souffle, nous devons vous remercier. Ah bon, déjà ? Il ne faudra plus longtemps. Pourtant, tu vois, ce qui est complètement con, c'est que si tu fais cette quête avant de faire les autres, ils vont te dire la résistance est... quand tu vas faire les autres quêtes, ils vont te dire la résistance est toujours aussi agressive, toujours aussi présente, etc. Alors que là, ils te disent ça. Voleur gène est à moi. L'ancien ministre de la Défense est... C'est ce qu'on dit. Je vais le tuer. La résistance, avec l'aide de la République, c'est un complexe lourdement fortifié. Fortifié, mais... puissante que vous dans nos rangs, ils vont souffrir. Le complexe sera détruit. Nous aimerions que vous vous chargiez d'une dernière mission. L'usine, couper la sécurité, tuez-le. C'est comme si c'était fait. La rumeur dit... Pour quelqu'un d'autre. Bien joué. Des bottes encore. Des bottes en caoutchouc. Alors celui-là, ça me baisse un petit peu, celui-là, ça monte. Splendide ! Je suis tout en... Tu vois, c'est pas rare que le stuff, ça va bien ensemble, entre guillemets. C'est comme si c'était un ensemble, hein, t'as vu, tout gris, etc. C'est pas rare que, en faisant plusieurs quêtes à la suite, eh bien, ça te donne des trucs. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, là ? C'est ça, le siège, je sais pas quoi. Niveau d'influence 9, hein, quand même. Ah, putain, les deux, c'est au même... Regarde! Ça, c'est énorme, par contre. Les deux, c'est au même... On a deux quêtes qui se passent au même endroit, au nord, là. Les armureries. J'ai presque envie de faire ça, là. Le fils. T'imagines, il m'envoie ici aussi. Bon, ben, faut aller au nord, hein, Jackie. Je sais pas ce qui est le mieux, hein. Franchement, de faire... Attendez. Merde, je suis revenu en arrière, ça va pas du tout. C'est pas par là. C'est quoi le mieux entre... Oui, au sud, je suppose. Entre... Faut remonter, là. Merde. Entre faire... une quête... que une branche, une suite de quêtes de mission, d'histoire, comme là on est en train de faire, avec celle du milieu, là. Jusqu'à ce qu'elle soit finie, ou alors toutes les faire un petit peu à la suite, histoire de les regrouper, etc. Je pense que c'est ça le mieux. Mais niveau compréhension, c'est pas le top, hein, donc... C'est pas grave, on va faire comme ça. C'est pour C'est pour le mieux. On est bientôt au niveau 20. On a encore monté un niveau d'héritage, là. On est quoi, faut voir. 32. Je sais pas. Bon, attention à esquiver ces trous du cul, là, comme d'habitude. Mais là, il n'y a pas d'autre base, hein. À part celle-là, on n'en a pas découvert d'autres, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut pas faire de voyage rapide, malheureusement, vers le nord. S'il faut, il y en a une, mais... on l'a pas encore vu. Là, le but, c'est de se diriger vers ce bâtiment, hein, pour faire deux quêtes en une fois. C'est assez énorme. Mais ça devrait pas être trop long, hein, pour en terminer une. Le Sunday. Le Max Sunday. Ah, faut quand même traverser cette zone, attention. Hein. Je vais essayer de passer en force. On va bourriner. Ah. Oh putain, c'est bon, on a réussi à passer, dis donc. Ça, c'est... La reine Didon. Ça, c'est le... Attention, à lui, c'est un élite. C'est l'exploit à chaque fois. Ça, c'est un droïde, mais de compète. Hein. D'ailleurs, c'est pas très logique, entre guillemets. Vu que ça se passe 5000 ans avant les films. Pourquoi, si 5000 ans, ils avaient des... Oh, bien joué. Pourquoi, si il y a 5000 ans, ils avaient des droïdes de ouf comme ça, pourquoi on les voit plus ? Dans les plans de construction ont été perdus. Pose pas de questions. Tu vois ? Cette espèce d'ATST à quatre pattes, etc. Lui, là. Ah merde ! Je l'avais pas vu. Bien joué. Lui, là. Pourquoi on les voit plus dans les films, etc. entre-temps
Et s'ils avaient déjà des trucs aussi puissants, des vaisseaux, etc. Qu'est-ce qui a été fait en 5 ans, j'ai envie de dire. Hein, c'est quoi ça? Le grand marshal. C'est quoi ce machin là? Détruire les droïdes éteints. Allez-y! Tuez-les tous! Prends ça. Pourquoi... il devrait y avoir une progression, tu vois. Un petit peu comme avec les consoles, pour prendre un exemple. Oh! Il y a quelqu'un ici. Il nous aide, splendide. Qui nous parle, entre guillemets. Eh bien... au début, t'as eu la NES, ensuite la Super NES, etc. Et le gain de technologie qui a été... visible à chaque fois. Mais là, ils ont tué tout le monde, c'est énorme. Mais le truc, c'est que... éteindre le générateur principal. C'est que... ça a été visible au fil des années. Là, bah, t'as l'impression... Il y avait déjà des sauts en hyperespace il y a 5000 ans, etc. T'as l'impression que ça n'a pas été... Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut tuer les droïdes éteints. Et regardez, ils les ont tous détruits, là, ça fait chier. C'est le revers de la médaille. Soit j'attends que ça repop, c'est ça, là, les espèces de feux. Soit on s'en occupera au retour. C'est mieux, je suppose. Là, c'est pas évident, quand même. On va éteindre les générateurs, hein, ici, là. On va peut-être être obligé d'attendre que ça repop, hein, malheureusement, à cause de ces... Oh, c'est quoi, ça? Il y a une alarme. Ouais, tu vois, ça, là. Ça, ils l'ont activé, hein, ce truc. Je suis obligé d'attendre que ça repop, hein, maintenant. Rends-moi ça. Mais normalement, ça, c'est moins long à repop que les droïdes. Hein. Vous êtes fiers de vous? Ça, c'est chiant. C'est le problème par rapport à ça. T'as vu? Regarde, ça n'a pas été trop long. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça a fait pop ses ennemis. Le fait d'avoir... prends ça, saloperie. Le fait d'avoir... d'avoir détruit la console. Un espèce de script. Prends ça, saloperie, je vais t'apprendre. Mais le problème, c'est que si jamais ça repop et que lui... Le mec, là... il l'a détruit. Ils vont repop, hein, devant moi. Lui, là, t'as vu? Il attend que ça repop. Voilà, t'as vu? Il l'a déjà fait. Regarde! Voilà, heureusement que je suis parti. Allez, je me soigne. Des capteurs internes? En plus? Qu'est-ce que c'est? Je vais m'occuper de ça, là. Et il y a un truc à faire juste derrière. Ça, là. Est-ce que je peux le faire quand je suis en combat? Vite, 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 avant qu'il m'attaque. Voilà, c'est ça, les capteurs internes, ok. Je pourrais les tuer. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, là. Prends ça. Allez, un de moins. J'ai eu raison d'activer le... Putain, la vache, on s'en prend plein la gueule, là. D'activer le capteur. Il m'aide, là? Bien, merci. C'est Vette, hein, je suppose. Ouais, c'est ça. Oh, vite, vite, vite! Bien joué. Peut-être qu'il m'a aidé aussi. Parfois, c'est pas totalement innocent. Le pape Innocent III. Prends ça. C'est pour les faire disparaître plus vite, les mobs, et qu'ils puissent activer son objectif, etc. Bon! Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Localiser Volargen. Ouais, mais... Et non pas Volare. Cantare. Ça, là, ce truc. On va s'en occuper. Voilà, au moins ça fait pas pop d'ennemis. Est-ce qu'il y a des droïdes ou des trucs là activés? Voilà, maintenant, avant d'aller voir le boss,
Eh bien, t'as vu, c'est pas en zone instanciée, hein, cet endroit. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui est mélangé. Hein. C'est vraiment le foutoir. Hein. Ça, c'est une phase de groupe. Faut que je détruise encore deux droïdes et trois droïdes. Ah, ça ! Bien joué. Et encore un truc comme ça. Hein. Faut avoir l'œil. Hein. Parce que là, c'est le premier qui le chope. C'est au plus rapide. Là, on est en compétition. Allez, je saute. T'es sûr qu'il n'y a pas de droïde ici, là? Ça me semble bizarre. Hein. Même si on est plusieurs... Ah, ici. Le quatrième sur quatre. Là, il y en a beaucoup plus que des droïdes. Hein. Voilà. Ouais, c'est bien, mais où sont les droïdes? Un patriote. Le traité ne nous a pas vraiment laissé le choix. Mais sachez que vous avez le soutien du peuple de la République. Ah, mais c'est un ennemi. Où sont ces droïdes à la con, bordel? S'il faut, ils sont farmés. C'est des restes sur le sol, hein. Ben, vas-y, hein, Jackie. Lui, c'est un sorcier site. Merde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai été pris dans le combat, là? Ouais, bien joué. Peut-être qu'il a fait une attaque de zone et il m'a touché. Putain, mais c'est pas possible. Où sont ces putains de droïdes, là? Là! Merde, il l'a eu. Bien joué. Si, c'est ça. Hein. C'est les flammes, comme ça, là. Faudrait camper devant l'un d'entre eux. Et le détruire. C'est quoi, ça? C'en est un, ça? Bien joué. Voilà, un droïde. Dépêche-toi, Jackie. Et là, il y en a un qui utilise un sprint de voleur et qui va plus vite que moi et qui me le vole. C'est quoi, ça? Élément histoire. D'accord, ok. Ça fait toujours des points d'expérience. Ah, bien joué. Niveau 20. Donc là, ça va te raconter l'invasion, etc. Je vais pas m'avancer, quand même. Je me demande si le fait de rester ici, là, j'ai presque envie de tenter, de rester devant ce truc et d'attendre et voir s'il repop. Parce que ça a l'air d'être un coin que les gens ont tendance à oublier. Ah, pourtant c'est juste devant une entrée, hein. Une espèce d'entrée secondaire. J'ai presque envie de rester là et d'attendre que ça repop. Ça risque d'être un peu long, malheureusement. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Faut voir le... notre inventaire. Qualité premium. 9 sur 30. Attends, le module, 5000. On pourrait le faire, mais bon. Est-ce que ça va me rajouter une moitié de ligne? Parce que tu vois, il y a un gros trait bleu hein, au milieu, là. Une moitié de ligne ou une ligne entière? C'est quand tu veux, Jackie. Et, ouais, putain, encore ce truc, là. Aptitude de combat, voilà. On peut en acheter une autre. Là, ici, t'as vu? C'est chaque cadenas, hein, je suppose. Je vais quand même mettre ce truc en vue. Alors, bien réfléchir cette fois. Parce que celui qu'on a pris, c'est loin d'être le plus... On va avoir largement le temps que ça repop. Hein. Il y a quelqu'un qui est passé, là, un Ewoks. Est-ce que celui qu'on a pris, c'est loin d'être le plus mieux? Est-ce que je peux le désapprendre? Réinitialiser? Ouais, ça coûte zéro, parce que c'est la première fois, c'est ça? Franchement, ce truc-là, c'est pas le plus utile. Hein. Ça, là. Et après, ce sera payant, c'est ça? Après, ce sera 1000 balles, après 5000 balles. Je sais pas. Alors, ça peut être pas mal, on l'utilise de temps en temps.
Le saccage immobilise. Initiation de la charge de force. Apparemment, ça repop pas. Hein. Les dégâts non réguliers génèrent 2 points de rage. Ça, c'est pas mal hein, quand même. 4 points de rage en tas d'étourdi. Pourquoi pas? Ça nous arrive de temps en temps. Hein. Quant à déplacement. Quand vos déplacements sont affectés, vous gagnez un bonus de dégâts, c'est pas mal quand même. Mais c'est uniquement pour le prochain pouvoir qui coûte de la rage. Donc ceux-là, là. Allez, je réinitialise. Je vais prendre ça. Et le crime de sang protège. Ça, on s'en fout. Et ça. Mais c'est uniquement... quand nos déplacements sont affectés, hein, les deux. Enfin, ça, c'est quand on subit une altération d'état. Bon, ce truc-là, ça repop pas, apparemment. Je pense que ce serait plus utile, hein, quand même. Voilà, et ce truc-là est revenu à 2 minutes. C'était effectivement ça. Ah, merde, putain, il y a plein de monde. Où sont passés les joueurs, là? Ils sont tous partis! Bah, ça aura servi à ça, hein, j'ai envie de dire. Ah, ok, d'accord. Donc là, bah, dès que tu vois un droïde, faut y aller, hein. T'es sûr que ça repop pas? Ça me semble bizarre. Putain, la vache, y a plus personne! C'est abusé. Saleté de droïde. Maintenant, on se retrouve dans un endroit bourré de monde. Ah ouais, non, mais bien joué, quoi. C'était où, le... Ouais, faut avancer. Là, on est qu'au début. Je vais tuer ce droïde. C'est con que le fait de faire ça, ça le transforme pas en débris. Prends ça. Tiens, annulation. Piu, piu. Donc là, si jamais les ennemis m'immobilisent, ou me ralentissent, ou alors ils me stun, etc., et bien ça... Ça me fera gagner de la rage où il y a un droïde là. Mais malheureusement, il y a eux là. Il y a un truc que je vais faire, c'est ça. Ensuite ça. Prends sa saloperie et je vais essayer comme ça. Bien. Ah putain, c'est 3 sur 4 seulement. Je crois que c'était le dernier. Allez, prends sa saloperie. C'est dommage, hein. Que ce soit pas... Quand nous, on attaque... T'as vu, j'ai eu raison de m'en occuper. Quand nous, on attaque, par exemple, on a eu chance de gagner plus de rage, etc. Ou je sais pas quoi. C'est dommage, hein. Mais ce sera peut-être pour les arbres de compétences supérieures. Je vais aller ici. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure. D'en profiter avant que quelqu'un d'autre arrive, prends sa saloperie. Tiens. Ouais, ça m'a pas interrupt, hein, t'as vu. Prends ça. La notion de sacrifice est importante. On doit se battre pour les générations futures. Même si nous, on va y passer, il faut penser aux autres. Prends ça. Bon, lui, on va le tuer, hein, je suppose. Chiquito. Ah, t'as vu? Faut que j'aille ici et ici. Ça, c'est vachement au nord. On va essayer de profiter du passage des autres, là. Tant qu'il y a du monde... Ah, c'est par là. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Ça ou ça? Mais il est probable que l'une des deux, ce soit une zone instanciée. Je pense pas les deux. Et il est probable que ça va être un boss et que donc on va se... Merde! Ah putain, bien joué. On va se... Bah les gens vont devoir... On va devoir se succéder. Hein. Ça va être en mode file d'attente, entre guillemets, comme sur WoW classique. On va être plusieurs à attendre qu'il repop, etc. Et ouais, c'est à l'étage, hein, le mec de gauche, de droite. Putain. Je vais devoir tuer ces trous du cul, prends ça. Tiens. Putain, il y avait un autre là, j'avais pas vu. Putain, il est balèze lui, c'est quoi ces conneries? Ouais, c'était celui de droite que j'attaquais, sans le vouloir. Prends ça, saloperie. Allez, bien joué.
Alors, fais voir. C'est où le chemin? Mais c'est fermé, là! Non? Alors, est-ce que c'est une zone instanciée? Ou instancée? Ouais, c'est ça, hein, phase de groupe. Donc là, d'accord, ok. C'est vrai, c'est pas mal, là aussi. Ils ont... vaincre les gardes du corps. Putain, mais c'est un élite! Et en plus de ça, il a 4 putains d'ennemis avec lui! Attention, là, ça va être costaud. Ok. Bon, ben, on y va, hein. Prends ça. Là, faut les tuer le plus vite possible. Les cas... Oh, putain! Non! M'a foutu par terre, espèce de trou du cul! On a perdu du temps avec ces conneries. Prends ça. Putain, mais c'est pas possible! Et maintenant, faut tuer lui. Bon, ben j'espère qu'on n'a pas perdu trop de temps. Je me demande si j'étais par terre, est-ce que j'aurais pu faire le... Ça, là. Tiens, ah, je l'ai utilisé pour rien, j'ai l'impression. Allez, un petit soin. Qui est quand même costaud. Oh putain, la vache, je sais pas si on va y arriver. On a peut-être trop glandé, va savoir. Heureusement, j'ai mes cooldowns qui commencent à arriver, là. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? 1000 points de dégâts! Comment il a fait ça, ce fils de pute? Mais non, notre première mort! Mais non, c'est abusé! Non! On aurait dû la voir, là. Parce que les autres vont repop. Hein. Appeler une sonde médicale. On va être invisible pendant... Est-ce que c'est illimité? Soit on revient au prochain truc... Et c'est vachement loin. Soit j'envoie une sonde. Et là, je vais être invisible pendant 10 secondes. Ça va me donner le temps de me planquer. Espèce d'enculé. 12 secondes. Mais... Bouge! Allez, je vais me foutre ici, là. Je me soigne. Ouais, c'est con, hein, franchement. On s'est fait marave, mais un truc sévère. J'attends 1 minute 16, là, que ce truc-là revienne. Parce qu'ils vont repop, hein, les autres, si ça continue comme ça. Non, j'y crois pas! Foiré, fais voir notre durabilité, là. Ouais, on a perdu 10%, hein, t'as vu, plus ou moins. Là, quand tu te fais tuer, ça pardonne pas. Hein. Et plus tu vas te faire tuer à la suite, et plus... J'ai pas de stem, ça fait chier, faudra en acheter, hein, je pense. Et plus... Là, c'est costaud, quand même. Hein. Et plus... dès que ce truc-là est fini, on y va. Hein. 45 secondes. Et plus... Et plus tu devras attendre avant de te soigner. Enfin, d'utiliser la sonde. Mais apparemment, c'est pas limité. Hein. On va pouvoir le faire autant de fois qu'on veut. Ça, c'est énorme. C'est le point le plus 20 secondes. Le plus... le mieux, par rapport entre la version F2P, qui est on a un nombre de sondes limité, et la version payante. Ça enlève beaucoup de difficultés, c'est sûr, et de pénibilité, parce que le fait de revenir ici, à chaque fois, retourner à 120 mètres, c'est un petit peu relou. Prends ça, saloperie. Allez, on y va. J'ai utilisé mon truc, prends ça, saloperie. Mais putain, il fait chier avec ça, là. Je pense que ça devrait aller, hein, cette fois. Avec ça, plus le... Alors, on va même pas... On va même pas prendre de medipack, hein, s'il faut. T'as vu? Là, j'ai gagné de la rage, hein. Alors que j'ai pas utilisé de compétences. Parce que... prends ça, saloperie. Et voilà. Putain, il est relou. Hein. Truc de fou. C'était le combat le plus dur, je suppose. Mais il a fait une attaque... La variation des dégâts. 1000 points de dégâts qu'on s'est pris, là, c'est juste abusé. Hein. Regarde. On a 3400. Il nous a fait un tiers en un seul coup. Hein. Il a dû faire un critique ou je sais pas quoi, mais... Peut-être fallait l'interrupte. Mais là, c'était abusé, quand même. Bien joué, hein. Bien de la pègre. Un cadeau. Ouais, c'est con, hein, franchement. Bon, tant qu'on est ici, je vais aller voir l'autre, à droite, là.
ici. Et après... Oh putain, fait chier ça. Après, ben on se casse de là, avec le... Ce truc bleu, là. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein, franchement. C'est un petit peu le risque. Mais t'as vu, ils étaient 5. Franchement, c'était dur. Hein. Mais encore une fois, avec ton partenaire, il suffit de le mettre en tank, même en DPS, hein, mais ou en sous-1. Et ça passe comme dans du beurre. Hein, avec quelqu'un qui te soigne en permanence. C'est comme ça. Bon, est-ce que je peux passer derrière, là? Bon, allez, tant pis. Prends ça. Putain. Eh ben, c'est le footwork. Là aussi, ça descend vite, hein, les points de vie. J'ai un petit peu tardé, mais bon. Allez, un de moins. Tu vois, nous, on est vraiment au cac, hein. Tant qu'on n'est pas juste à côté de l'ennemi, on peut limite faire zéro dégâts. Ah, c'est là. Ils ont eu raison de faire ça, hein. On n'aura pas à attendre pour le boss. Je suppose que ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare. Saleté d'armure réduite. Je vais attendre que ça disparaisse, hein, ce truc. Tiens. Ouais, c'est bon. On est bon. On est de nouveau d'attaque. Voilà, ben on aura eu notre première mort. C'est un petit peu abusé, mais bon. Alors, est-ce que c'est lui de la dernière fois, là? Qui arrêtait pas de nous parler par Comlink. Kalkstein, là, encore une fois. J'abaisse les barricades des armeries de Balmora. Je vous entends parfaitement. Ils ont lancé un scan de l'intérieur. Un me débarrasse de ces parasites. Excusez-moi de vous interrompre. Je suis le grand... Ah, c'est lui. Vous m'avez entendu depuis tout à l'heure. Je suis une envoyée Sith, mettons terme à cette violence, vos hommes sont pitoyables. Je suis l'apprenti de Dark Vett. Merde, j'ai oublié d'appeler Vett. Je suis représentante de l'Empire. Vous êtes le laquais de... Laquais. Je ne suis pas stupide. Je me demande si Dark Lacris, c'est la voix de Bastila. Chevalier Jedi Rallon Nis au rapport. Vous êtes tombé dans un piège, vous ne pouvez pas vaincre un chevalier Jedi. Espèce de lâche. Vous avez un troufion avec vous. Vous avez le soutien de la République. C'est illégal. Vous espérez me faire croire que vous agissez indépendamment de la République. C'est le traité de paix. Il y a des règles à respecter. Non, monsieur. Menteur. Les Jedi sont avec la République. Je vais vous éventrer. Oh putain, trois là. Prends ça. Est-ce que c'est un élite? L'autre, là. Attire les coups. Non, non, il est juste puissant. Prends ça. C'est moins difficile que l'autre quête, hein, t'as vu? Vette sans bouger. Ouais, c'est clair, c'est clairement moins difficile que l'autre. Prends ça. S'il avait été élite, ça aurait pas été aussi simple. Vos pitoyables compagnons sont morts. À votre tour maintenant, sortez de là. Je vais vous apprendre à me faire tomber dans une embuscade, là. À mettre que un seul troufion dans la cinématique, alors qu'en fait, ils sont deux. Shikita, c'était un Jedi, oui, une simple formalité, faites votre travail. Évidemment qu'ils vont pas l'avouer. Excellence. Nous détectons des signaux... Une valise d'hyperespace. Il faut prouver qu'ils sont avec la République. Un vaisseau. La République contourne ainsi nos défenses. Oui, les armureries recherchent la présence de vaisseaux. Vite! L'ennemi a tout prévu. Non, ils n'ont pas tout prévu. Nous détectons des dizaines de vaisseaux. C'est ainsi qu'ils ont procédé. Ils savent que nous les avons repérés. Leurs repérés vont se dépêcher d'atterrir. Empêchez-les d'atterrir. Quels sont les risques? Ils se dirigent vers les armures. Très bien. Si vous échouez... T'as vu, t'as des fois où ton partenaire, il réagit plus à ce que tu dis. C'est un petit peu étrange. Des crédits, ouais, ça c'est très bien. Ça, c'est quoi? Les deux, c'est des implants? Roueur? Ouais, je vais prendre ça. Hein.
T'as des fois, il réagit sans arrêt à tout ce que tu dis. Et des fois, tu sais pas pourquoi, il va Bon, j'ai pas tout compris une fois de plus. Il va il va plus rien dire. Il va pas plus réagir pendant... Comme s'il était pas là, en fait. Le roueur réquisitionné. Voilà, c'est très bien. Oh putain, faire tout ça ! Détruire les systèmes de guidage, etc. Alors, c'est où ? Là, on n'avance pas, hein. J'ai l'impression qu'on avance moins vite que d'habitude. Faut sortir, et c'est ici. Qu'est-ce que c'est, ça, là ? C'est en intérieur, j'ai l'impression. Je peux pas me TP, hein. C'est... Faut y aller à pied. Faut passer par cet endroit, hein, pour atteindre ce truc. Je pourrais pas y aller de l'extérieur, j'ai l'impression. J'ai l'impression... Là, ce truc. J'ai l'impression qu'on va moins vite que d'habitude. C'est un petit peu ignoble, je dois dire. C'est quand tu veux, hein, saloperie. Regardez, je vais rester en dessous pour vous montrer. Non ! Voulez-vous appeler un druide sondre ? Voilà, t'as vu, ça m'a foutu dessus. Vous avez été écrasé par un ascenseur. Donc tu vois, ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que même si je suis loin d'avoir fini avec cette planète, le fait que je suis niveau 20, rien, rien ne m'empêche de tout annuler et de tout quitter et et d'aller sur Narshada. Mais je suis obligé quand même de faire les quêtes, la quête de Barras, débarrasse le plancher. Voilà, le truc avec Malavei Queen, etc. Je suis quand même obligé de le faire. Et Vett est en train de l'attaquer. Voilà, c'est ici, là, t'as vu. Il a fini, lui. Prends ça. Tiens. Un officier. Non, pas un officiel. C'est ça qui est un petit peu dommage, hein. Tiens. Quelle défense. Quelle descente. Bon, ben, c'est ici, hein. Le truc qu'on doit faire... Il faut tuer 4 systèmes de guidage et aussi détruire le chasseur. Mais je pense que c'est peut-être le dernier. Ça, là, ce truc. C'est à ça que ça ressemble, les 4 machins, là. On est un technicien. Je pense que c'est peut-être le dernier truc, hein. Bon, ça. Le dernier... La dernière étape. Alors, il y a une quête, je m'en rappelle, où il faut placer des trucs en dessous d'un vaisseau. Je me demande si ce serait pas celle-là. Prends ça. Allez, un de moins. Et c'est pas facile à voir, hein, fallait le savoir. Hein. C'est un vaisseau. Et t'as... ton objectif, c'est juste en dessous, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Non, je pense pas que ce soit celui-là. Quoique... J'avance un petit peu. C'est en haut ? Il y a un escalier, là. Ouais, si, c'est ça, regarde, on le voit, là. C'est ça dont je vous parlais. Bon, je vais tuer cet abruti, prends ça. Merci, Cody. Tiens. Je suis en feu, qu'est-ce qui m'arrive ? Allez, bah, il est donc. Ils sont balèzes, hein, les ennemis d'ici. J'ai l'impression qu'on est understuff, là. Qu'on est pourri au niveau du stuff et tout. Et là, ça commence à se corser, mais de ouf. Hein. Voilà, t'as vu, tu te mets juste en dessous, fallait le voir. Et tu le places, et c'est parti. Le chasseur taille. Ah, ça va péter. Et voilà. Bon, bah, écoute, il reste encore 3. Machin comme ça, là, à détruire. Je vous entends à peine, qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi n'aura plus
On dirait que vous mettez votre main devant la bouche. Vous le faites exprès ou quoi? Voilà, je prends ça, merci. Et voilà. Là, il faut aller aux quatre coins de la map. Hein. C'est un petit peu la misère. Alors, il y a un truc que je peux tenter de faire. C'est d'aller directement sur la plateforme sans passer par cet escalier. Là, ça me fera esquiver un mob. En faisant le jump sur lui, là. Mais il est loin. Tu vois, s'il s'approche de là, je... Mais là, il est à l'opposé, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de sauter sur ce truc, sinon... Ah ! Non, j'y étais presque. C'est tout un bordel, hein, les MMO. Allez, saloperie, on t'attend, là ! Si j'avais tué les ennemis d'en bas... Ah, putain ! Il arrive ! Il y a un joueur, là, il va nous le piquer. Saut piqué. Ouais, dès qu'il est aux abords de la plateforme, j'y vais. Ouais, nickel, t'as vu? Putain, c'est énorme. Prends ça. Allez, je me mets ici pour pas qu'il me bump, qu'il me fasse tomber de la plateforme, là. Prends ça, saloperie. Il m'a fait sauter sur la caisse. Tiens, je t'ai assez vu. T'as vu, c'est que des trucs à savoir, encore une fois. Alors, où est l'aile ou la cuisse? C'est celle de gauche, je suppose. Voilà. Une bouche d'égout. Allez, je prends ça. Et je m'en vais. Vite, ça va péter! Je sais pas si ça va me faire des dégâts. Mais je préfère ne pas vérifier, tu sais quoi. Bon, il reste encore un chasseur, je suppose. Et deux trucs, là. Ça, là. Ah oui, quand même. De nombreux innocents ont perdu la vie, mais c'est pas grave. Non, je pense pas qu'il y ait de relations lesbiennes hein, ou homosexuelles dans The Old Republic. Parce que t'as vu, Dark Lacry, je l'ai pas séduite. C'est arrivé avec Mass Effect 3, encore une fois, donc... ce jeu-là, il est sorti avant. Alors, voyons voir. Où est le dernier? Il est vachement en haut à droite. Ça va, c'est pas trop galère. Hein. On a connu pire, je suppose. Et il y aura pire, surtout, à l'avenir. Alors, je vais attendre que lui, il bouge. Lui, là. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Où est-ce que c'est? C'est ce truc, là? Ah! Et en plus, il y a ce truc juste à côté, c'est bien. 4 sur 4, splendide. On a fini. Ouais, mais... Là, je pense pas que je pourrais sauter en haut, hein, même s'il y a un ennemi. Parce qu'il n'y a pas de... Tu vois, je vois pas ce qui se passe en haut, là. Il n'y a pas de truc qui me surélève. Donc, malheureusement, je vais être obligé de me farcir ces trous du cul. Prends ça, saloperie. Ouch! Allez, un de moins. C'est puissant. Mais je suis pas projeté en arrière, je résiste. Voilà, ce truc-là. Là. En plus, l'autre, il est loin. Il va crever avec l'explosion. Prends ça, saloperie. Voilà. Localiser le vaisseau amarré. D'où il vient, lui? Quel vaisseau amarré? Ah, c'est au nord, là. Halte à l'invasion. Un vaisseau a réussi à nous échapper. Évidemment, il fallait bien qu'il y en ait au moins un qui réussisse à atterrir. Je veux pas de survivants. Pour l'instant, on est bon. C'est long, hein, quand même, rien que cette quête. Mais là, tu vois, je me dis, maintenant qu'on est niveau 20, je pourrais ne faire que la quête de Barras et virer les deux autres. Hein, C'est un peu con. Même si c'est des missions d'histoire. Secret d'histoire. Avec Stéphane Bern. Elle est là? Ah oui. Niveau 2. C'est con, hein? Mais c'est un peu ça. Alors, fais voir. Là, le vaisseau, il est là. Mais d'un autre côté, je me dis aussi
que si ça se trouve, les combats les plus durs, c'est pas le, dans le mode histoire, hein. Quoique. C'est avec les quêtes annexes, entre guillemets, comme celui-là. Prends ça. Et donc... Allez, un de moins. Et donc... Bah, s'il n'y a aucune difficulté, comme c'est plus ou moins le cas depuis le début du jeu, t'as juste certains mobs, tu sais pas pourquoi, ils sont surbalèzes. Ils détruisent avec un coup à 1500, là, je t'en foutrais. Des fois, c'est tendu du fion, on a failli crever à plusieurs reprises, et ça aurait été le cas si on n'avait pas utilisé notre Medipack. Mais là, même en l'ayant fait... Là, c'était vraiment costaud, hein. Un mec élite, même pas à fort, hein. Un mec élite avec 4 ennemis autour de lui, alors que juste après, t'en as un simplement fort avec 2 ennemis. C'est complètement déséquilibré, là. Je vais essayer de passer. Voilà. Chiquita, prends ça. Ici Alberto Chiquito de la boutique d'antiquité. Je vous appelle au sujet de ces vieux stylos. Prends ça. Ouais, je vous les achète. Ça me coûte très cher. Là, on va affronter Chiquita. Voir s'il est élite. Non, non, il est fort, hein, t'as vu. Ah, putain, fait chier. Ça, c'est dès dans Nicky Larson. Hein. Prends ça. Parler au grand maréchal Chiquito. Oui, ben, dès que j'aurai fini ça... Je suis trop occupé à tuer vos hommes pour l'instant. Voilà, un de moins. Mais t'as vu, à lui tout seul... Un simple mob fort comme ça, je pense qu'on a un problème de stuff. Alors, il est avec qui? Un Padawan Jedi, ouais, quand même, fait chier. Sedoya Sen. Putain, c'est pas possible, ils sont trois forts. Lui, 2300. 2200. Me dis pas qu'on va les affronter les trois, là. 2600. On va focus lui, hein, c'est le moins balèze. C'est pas possible, franchement. Là, on risque de galérer, par contre. Hein. À moins qu'ils vont partir. Allez-y, partez. Finalement, vous travaillez bien avec la République. N'abandonnez pas facilement, je vous l'accorde. Vous êtes plus coriace, vous aussi. Vous n'auriez pas dû attaquer. C'est possible, oui. Ça ne vous ressemble pas. C'est impossible de discuter avec les Sith. Ça se serait fini en bain de sang, vous le savez très bien. Nous pouvons vous couvrir. Non. Un vieillard se bat pour les siens. Oh, putain, 3 contre 1 avec 2 Jedi. Ah ouais, d'accord, ok. On y va. Mais putain, Vette, elle est en train d'attirer les coups. Tu vois, ça, c'était pas prévu. Hein. Je vais les aggro, prends ça. Voilà, t'as vu, maintenant il m'attaque moi. Il est mort, le trou du cul, là. J'ai utilisé mon truc. Hein. Mais non, tu vois bien qu'il est là. Putain, mais qu'est-ce que... Ils sont increvables. On perd du temps. Hein. J'essaie d'en tuer un le plus vite possible. Allez, un de moins. Ensuite, lui. Prends ça. Ah, putain. Allez, je prends un truc, quand même. On a perdu un petit peu de temps. Hein. Il reste plus que Chiquito. Ouais, on va y arriver. Je pense pas que ça ait changé grand-chose, hein, le fait que Vette a attiré les coups du début, là. Je pense qu'on y serait quand même arrivé, regarde-moi ça. Prends ça. Non! Comment avez-vous réussi? C'est impossible! On y serait quand même arrivé, hein, je pense. On a réagi promptement. J'ai joué le jeu, hein, t'as vu. J'ai fait ça là pour attirer, leur faire des dégâts et donc générer de la menace. Et donc ils m'ont attaqué moi au lieu de rester sur Vette. Sur Vette, c'est ça. 59 minutes. Vous avez la jeunesse. Ah, j'égale le pouvoir de la force. Vous n'êtes rien, espèce de vermisseau. Écoutez-moi, rejoignez la République. L'invasion, si vous aidez mes hommes. Ouais, ça va être côté clair, aider les hommes, côté obscur, je vous écoute. Et il nous propose un marché. Et côté obscur, non, tuez vos hommes. On le prouvera d'une autre façon.
non plus. Voilà, t'as vu, ils auront ma pitié. Je n'ai pas besoin de cet aveu. Vette, elle réagit pas, t'as vu. Parce que, le tuer. L'Empire ne connaît pas la pitié. Captif, vous me serez plus utile. Vous allez servir d'exemple, espèce de monstre. Votre empire est con... Tuez-le, Stormtrooper. Ça envoie en renfort. Ça, les renforts arrivent un peu tard. En détention, d'accord. Parce que sinon, j'aurais pu le tuer, t'as vu. Parce que le tuer. Mais apparemment, c'est un prisonnier de valeur. Donc, parlez à Dark Lacris et ça va finir la quête. Hein. On va se TP. Mais on fera ça à la première partie, je suppose. Puisque ça fait une heure. Ça fait une quête finie sur les trois. Ah, fait chier, je peux pas voir où c'est le... Va falloir le faire de tête, là. Ah, si, c'est bon. C'est ça, là ? Attendez. Faut que je me TP à le Sundari, c'est ça ? Ouais, ici, on va le faire quand même. Et on rendra la quête à la prochaine partie. C'est bon, on avance un peu mieux, hein, du coup, là. Si après avoir rendu la quête, ça met fin à cette série de missions de l'histoire, là, eh bien, ce sera pas mal. Allez, à plus pour la suite !